Alors, une académie de musique, c'est comme une école de musique. C'est ceux qui jouent en concert le soir, en théorie, sont ceux qui donnent des masterclass dans la journée. Dans la journée, il y a des masterclass un peu partout. Selon le nombre d'élèves que le professeur a, il va donner 4 heures par jour ou 6 heures par jour de masterclass. Alors, dans l'esprit, c'est pas mal. Il faut juste que tu équilibres bien. Et que ta main gauche, en général, ta main gauche, tu la lèves un tout petit peu moins que la droite. Tu vois, j'entends ça. C'est vraiment ça. Donc voilà, hier soir, il y a eu le concert. Aujourd'hui, les cours ont repris. C'est donc le troisième élève que j'ai de la matinée. Ça s'enchaîne toutes les heures. Tu vas t'avancer dans cette harmonie. Là, oui. À toi, Jean. Et c'est pas un cours traditionnel dans le sens où on apprend à jouer quelques notes. On est censé déjà savoir jouer et la transmission se passe vraiment à un autre niveau. Là, c'est presque de la transformation d'individu. En même temps, c'est comme une fleur. On peut penser qu'on la respire. Faut pas pousser au public, jamais. Et après, tu continues. Voilà, c'est ça ce que je voulais. J'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres dès le début, qui sont fidèles, qui viennent toujours, dont Achilles Delvigne, qui est le parrain de l'académie. J'ai le plaisir de travailler avec deux brillantes pianistes. Now the triple flexible. Et on va un peu découvrir aujourd'hui donc les origines de la guitare classique. L'académie, ça se passe dans les locaux que nous avons. Il n'y a pas d'école de musique encore au Cap-Ferret. Il y a une école de musique à Lège-Cap-Ferret. Donc ça se passe dans les locaux que la ville veut bien nous prêter. L'école du Phare, la mairie du Cap-Ferret, la salle municipale, la salle de la Forestière, une salle au-dessus de l'office de tourisme. Enfin, on s'étend un petit peu partout. Et donc toute la journée, il y a des cours. Thank you.